Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accueilli l'invitation adressée par la conférence des évêques de Madagascar à venir aujourd'hui à l'Annonciature pour cette rencontre. Au mois de septembre 2016, à l'occasion du jubilé de Nonce, comme on se souvient, en 2016, on célébrait l'année de la miséricorde. Le Saint-Père donna pendant la messe une très belle homilie qui m'est restée dans le cœur. À cette occasion, s'inspirant de la parabole du semeur dont parle l'Évangile, il a déclaré que les nonces, mais ne seulement les nonces, aussi les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs, et celui qui sort de bon matin pour semer la bonne nouvelle de l'Évangile dans l'Église et dans les pays où les nonces est envoyé. En ce début d'après-midi, je vous transmets une belle nouvelle qui nous remplit le cœur de joie. Le semeur, le pape François, qui va de part du monde semant paix et espérance, visitera notre pays, Madagascar. Je vous lis le communiqué de presse qui, en ce moment précis, 12h, heure de Rome, le bureau de presse du Saint-Siège rend public. Accueillant l'invitation des respectifs chefs d'État et des évêques, Sa Sainteté le Pape François effectuera un voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à Maurice, du 4 au 10 septembre 2019, visitant les villes de Maputo au Mozambique, d'Antananarivo à Madagascar et de Port-Louis à Maurice. Le programme du voyage sera publié en temps voulu. Tu j'avais un vac que j'ai fait un baran, j'ai un tel malagasy. Nankastan paparemas na François, ni fanasan flua panzakana tsirairayavi, si rio eveka, ka ana tantera kan famangina apostolika, an Mozambique, an Madagascar, ari an Maurice izy, ni efatra katram ful septembre, si vembin ful suruariv. Hitsidika ny tanàna ny Maputo any Mozambika, Antananarivo any Madagascar, ary Port-Louis any Maurice izy amin'izany. Ny fandaharam-potoana dia mbola hivoaka amin'ny fotoana manaraka. Le Saint-Père François arrivera dans notre pays dans l'après-midi du vendredi 6 septembre. Il resterà le samedi 7 et le dimanche 8. Le lundi 9, il visitera Maurice en partant le matin pour Port-Louis et retournant ici à Antananarivo le soir même pour ensuite laisser notre pays le mardi
10 au matin. Je désire exprimer au Saint-Père une profonde gratitude pour l'affection avec laquelle il regarde Madagascar et pour sa décision à venir nous visiter. Exactement 30 ans après la visite de Jean-Paul II, notre belle île rouge accueillera de nouveau le Saint-Père. Plusieurs fois, le pape François avait manifesté le souhait de visiter notre église et notre pays. Une église, celle de Madagascar, qui se distingue par une foi agissante. Finalement, le projet de la visite se réalise. Les Saint-Pères viennent sur notre terre pour nous fortifier dans cette foi agissante et pour encourager tout le monde, particulièrement les jeunes, dans la construction d'un pays où chacun et chacune puisse goûter un authentique bien-être spirituel et social. En tant que représentant du Saint-Père à Madagascar, je désire inviter tout le monde à l'attendre et à l'accueillir avec cet enthousiasme caractéristique du peuple malgache, joyeux et entraînant. Je remercie de sa présence Monsieur le Président, Son Excellence Andry Rajoelina et son gouvernement, la conférence épiscopale, particulièrement le cardinal Son Éminence Désiré, président de la conférence épiscopale, et Son Excellence Monseigneur Odon, archevêque d'Antananarivo, qui, dans un certain sens, est le patron de la maison qui nous accueille tous. Pour tout ce qu'ils feront en référence à l'accueil du Saint-Père François. En plus du chemin liturgique du carême que nous sommes déjà en train de parcourir, commence pour nous un autre chemin, le chemin de la préparation de la visite du pape François. Merci à tous pour votre écoute et particulièrement pour tout ce que vous ferez. Merci, Son Excellence Monseigneur le Paolo Rocco Gualtieri, nonce apostolique, pour l'annonce de cette bonne et grande nouvelle tant entendue par tous et pour le commentaire qui nous invite à l'accueillir joyeusement et de bien préparer cette visite. C'est donc officiel maintenant, le pape viendra à Madagascar au mois de septembre, à Mangatsikian Papa François.